Of all the cases you've looked at, how many cases have come back with no trace, no body, nothing? This was the only one. How many people were involved in the search for Roz? Almost 1,000 people found no shoes, no shirts, nothing at all. Hello, c'est Lionel, je souhaite vous parler de plusieurs affaires de disparition mystérieuse de coureurs de trail. Je vais vous raconter plusieurs affaires troublantes qui se sont déroulées dans des zones sauvages de notre planète. Mais avant toute chose, si vous aimez mon contenu, si vous voulez m'encourager à continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore le cas, en activant la cloche pour ne louper aucune vidéo. Merci. On va commencer avec la première affaire et je vais faire comme d'habitude, je vais commencer avec la présentation des faits. On va partir à Hawaï, un archipel américain isolé dans le Pacifique. En 2011, Arne Rognes a 40 ans. Célibataire, Arne est norvégien. En mai 2011, Arne est à Hawaï depuis 10 mois pour le travail. Professeur de mathématiques et de sciences naturelles à l'université d'Oslo, il a été invité par l'université d'Hawaï pour mener des recherches à la faculté d'ingénierie UH Manoa. Arne apprécie son séjour à Hawaï. Selon son entourage, c'est un gars sympa, intelligent et en parfaite condition physique. Il faut savoir que les Norvégiens sont très sportifs, j'ai eu l'occasion de le constater par moi-même lors d'un voyage là-bas. Mesurant 1,80 m pour 70 kg, Arne est athlétique. Il court fréquemment et à Hawaï, il est membre d'un club de course d'Oahu, le Earth Hawaii. Earth, ça veut dire Hawaiian Ultra Running Team. Arne est un coureur expérimenté. Il a une formation en course d'orientation, un type de course dans lequel on utilise une carte et une boussole pour se diriger. Le samedi 14 mai 2011, Arne a prévu de participer le matin à un entraînement de trail avec un groupe d'environ 8 personnes de son club de sport, le Earth Hawaii. Les sportifs doivent s'entraîner dans la zone de Peacock Flats, dans la zone forestière de Mokulae, dans les montagnes Waiʻanae, sur la côte ouest d'Oahu, à Hawaï. La région est quadrillée de sentiers de randonnée ainsi que de sentiers de cochons, plus sauvages. Ce sont des sentiers de gibier. Ce jour-là, il fait un temps splendide et Arne est en pleine forme. Il porte un t-shirt blanc, un short de course bleu et des chaussures de course noires. Après avoir garé leur voiture au pied du départ du sentier de Kealia Trail le matin, les coureurs s'élancent sur les sentiers et grimpent vers les hauteurs. D'une distance de 12 km aller-retour, le Kealia Trail est un sentier enlacé dans les collines. Bien qu'il présente des hauts et des bas intenses, il est considéré comme d'une difficulté modérée avec un dénivelé positif de 770 mètres. Le terrain est un peu escarpé mais il ne présente pas d'énormes dangers si l'on reste bien sur les sentiers balisés. L'endroit est très apprécié des randonneurs, des coureurs et des vététistes. Donc Arne et ses camarades commencent à s'entraîner et l'entraînement se déroule très bien. Quelques temps plus tard, le groupe s'arrête au sommet d'une crête pour faire une pause afin de chercher de l'eau. Après s'être rafraîchi et avoir repris des forces, le groupe décide de rentrer. Vers 9h45, tout le monde repart donc pour redescendre la colline et revenir à leur voiture, au pied du Kealia Trail. Arne court en compagnie d'un autre partenaire. Ils partent ensemble devant le reste du groupe parce qu'en fait, ils sont plus rapides qu'eux. Les deux hommes courent ensemble, mais à un moment donné, le partenaire d'Arne se rend compte que son équipier n'est plus là. En redescendant la colline, lui et Arne ont été séparés sans qu'ils sachent trop comment. Quelques minutes plus tard, le reste du groupe revient au parking, sauf Arne. Et personne n'a vu le Norvégien, et ça c'est surprenant quand même parce qu'ils étaient tous derrière lui. Normalement, ils auraient forcément dû le rejoindre ou le doubler. Et là, rien. Ils l'ont pas vu. Donc ils attendent un moment en bas, mais comme Arne n'arrive pas, ils se disent qu'ils vont aller le chercher. Donc ils remontent la colline. Malheureusement, ils ne trouveront aucun signe de lui. Est-ce qu'Arne a pris un mauvais virage en redescendant? À Peacock Flats, vous pouvez marcher le long d'un sentier de gibier sans réaliser que vous n'êtes plus sur un sentier humain, a déclaré un habitué des lieux. Donc là, les sportifs préviennent les secours et le samedi en début d'après-midi, le HFD, qui est en gros le service des pompiers d'Hawaï, lance une opération de search and rescue, donc recherche et de sauvetage, pour tenter de retrouver Aré. Les recherches vont durer 3 jours. Beaucoup de monde va chercher Aré, il va y avoir les pompiers, la police d'Hawaï, des bénévoles aussi, et tout le monde va fouiller toutes les routes principales au moins 2 fois, et certaines même 3. Des recherches hors sentier sont également effectuées dans une zone qu'Aré aurait pu traverser en redescendant. Du lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit, les pompiers, les hommes du HPD, la police d'Hawaï explorent le secteur où a disparu Aré. Ils sont épaulés par une équipe de chiens pisteurs, des groupes de SAR professionnels et des bénévoles, essentiellement les membres du club de course auquel appartenait Aré, ceux qui étaient là avec lui le jour de sa disparition. Donc les sauveteurs vont tout tenter pour retrouver Aré, ils vont utiliser des chiens de recherche et aussi un hélicoptère équipé d'une caméra thermique. L'appareil va survoler la forêt pour tenter de repérer Aré dans la végétation. En fait, c'est une caméra qui permet de détecter toute trace de chaleur au sol. La chaleur émise par un être vivant. Des spécialistes en sauvetage vont aussi descendre à l'aide de cordes dans des ravins masqués par la canopée des arbres, c'est-à-dire la végétation, dans le cas où Aré aurait fait une chute, quoi. Pendant 3 jours, les recherches ne baissent pas d'intensité, les hommes comme les chiens sont épuisés, seulement on ne trouve pas la moindre trace d'Aré et aucun indice permettant de savoir où il serait allé. Le mardi 17 mai au soir, 3 jours après la disparition mystérieuse de Aré Rognes, les autorités stoppent les recherches. Même si le professeur norvégien est toujours porté disparu, le protocole des services d'incendie d'Hawaï, HFD donc, prévoit que si on n'a pas retrouvé une personne disparue au bout de 3 jours, les recherches sont stoppées. En Norvège, les amis de Aré sont choqués par la nouvelle et les médias norvégiens vont parler de la disparition du professeur à Hawaï. Un ami d'enfance d'Aré déclare que Aré est quelqu'un de très responsable. Ça ne serait pas quelqu'un qui disparaîtrait volontairement ou qui prendrait même des risques insensés. Le mercredi 18 mai 2011, l'opération officielle de Search and Rescue concernant Aré est terminée, mais heureusement des bénévoles vont continuer les recherches. Des membres spécialistes en recherche et sauvetage du Hawaii Trail and Mountain Club, qui connaissent bien le terrain accidenté d'Hawaï, explorent les collines boisées de Waiʻanae. Le samedi 21 mai 2011, on est 1 semaine après la disparition de Aré et les recherches bénévoles continuent. Et ce jour-là, une équipe de recherche du Hawaiian Trail and Mountain Club inspecte une zone où ils pensent que peut-être Aré s'est égaré. Et vers 12h30, il y a un membre d'une équipe de recherche qui remarque quelque chose de bizarre. Il voit un endroit dans les collines que les arbres sont endommagés et il se dit que c'est pas normal. Donc le reste du groupe commence à inspecter méticuleusement tout le périmètre et ils vont faire une découverte macabre. Ils trouvent un corps sans vie en bas d'une cascade asséchée qui fait à peu près 50 mètres de haut. Emmené à des fins d'autopsie, le cadavre va être vite identifié comme étant celui de Aré Rognes. Le médecin estime qu'il est mort des suites de sévères lésions traumatiques compatibles avec une chute. Donc l'autopsie va conclure logiquement un accident. C'est tout à fait possible que Aré ait eu un accident mortel ce jour-là, mais le capitaine Earl Kailoa du HFD va faire une déclaration troublante. Il va dire que premièrement, le périmètre où a été découvert Aré avait déjà été vérifié. Il avait été scanné notamment par l'hélicoptère du HFD qui est équipé d'une caméra thermique. Seulement l'hélicoptère n'a rien vu. Et ça n'est pas fini. La zone avait aussi été ratissée pendant la semaine. Ratissée par des hommes à pied. Et là encore, personne n'a rien remarqué. Donc apparemment, l'hélicoptère, les équipes au sol, les chiens, tout le monde est passé à côté de ce corps. Donc le responsable des pompiers, le capitaine Earl Keloa, avance l'idée que tout le monde a manqué ce corps parce qu'il était masqué par la végétation. Donc voilà, on ne sait pas. Est-ce que ce corps était vraiment là? Donc ce dossier est quand même assez intriguant parce que premièrement, on ignore complètement comment Aré a pu se perdre en redescendant la colline. Il suffisait de descendre un sentier balisé, il était en compagnie en plus d'autres personnes. On ne sait pas trop comment il a été séparé de son partenaire. On ne sait pas dans quelles circonstances exactes non plus il est mort. Et puis le dernier point, c'est quand même très surprenant que tout le monde ait loupé son cadavre. Hein. la technologie l'a loupé, les hommes qui étaient au sol l'ont loupé, les chiens l'ont loupé. Il faut se poser la question de savoir si est-ce que ce corps était vraiment là. Les services de secours peuvent certes être incompétents par moment, mais bon là il y a quand même des limites. Le doute reste permis, voilà. Parce qu'encore une fois, Arne n'était pas n'importe qui, c'était pas un idiot qui fait n'importe quoi, c'était quelqu'un de très posé, c'était un homme brillant. Il avait même écrit plusieurs livres de mathématiques, notamment un qui s'appelle « Dérivés matricielles à valeur complexe ». Donc ne me demandez pas de vous dire de quoi ça parlait, j'en serais bien incapable. Voilà, donc c'était l'affaire Arne Rognes. Dernier mot avant de passer à l'affaire suivante, je me suis rendu compte que la zone où Arne a disparu, la zone où il est mort dans des circonstances un peu étranges, est tout près d'un endroit qui s'appelle Dillingham Ranch. Le Dillingham Ranch est une propriété, et c'est une propriété où on tourne des séries télévisées. Et c'est là qu'on a tourné la célèbre série télévisée Lost, qui veut dire perdu donc. Donc c'est un peu ironique dans le sens où Arne s'est lui-même a priori égaré peut-être lors de cette banale course d'entraînement qui a malheureusement eu une issue fatale. Nous passons maintenant à la deuxième affaire. On va partir en Malaisie, un pays d'Asie du Sud-Est, et aller plus particulièrement à Gopeng, une petite ville de l'état de Perak, à 180 km au nord de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Gopeng accueille chaque année des centaines de coureurs pour une compétition sportive majeure, le Gopeng Ultra Trail, qu'on surnomme GUT. Un ultra trail est une course à pied longue distance en pleine nature. Organisé tous les ans, un week-end du mois de mars, le GUT propose plusieurs catégories de distance. 25, 50 et 100 km. Le samedi 23 mars 2019, 485 hommes et femmes se sont inscrits pour participer à la course GUT 25 km. D'une distance supérieure à celle d'un semi-marathon, l'épreuve consiste à courir 25 km sur un terrain accidenté et boisé. Les sportifs évoluent sur des sentiers et des chemins de terre qui traversent la jungle tropicale. Partant de la grotte de Gua Tempurung, le circuit forme une boucle passant par la colline de Batu Putih avant de revenir à son point de départ. Surnommé White Rock, le rocher blanc, Batu Putih est une colline couverte d'une végétation touffue dont émergent des pics de roches gris-blanc. Course la plus facile de la compétition, la GUT 25 km doit être accomplie en moins de 5 heures. À 7h30 du matin, ce samedi-là, les 485 participants à l'épreuve sportive s'élancent sur le sentier Mohamad Ashraf Hassan, un coureur de 29 ans est parmi eux. Originaire de Muar, une bourgade côtière à 2 heures de route au sud de Kuala Lumpur, Mohamad est un jeune homme attachant que ses proches surnomment Akap. Sur une photo prise par les organisateurs de la course et qui sera postée ultérieurement sur Instagram, on voit qu'il porte la tenue suivante. T-shirt jaune fluo, leggings noirs surmontés d'un short noir et aussi chaussures de running avec des lacets jaune fluo. Par-dessus son t-shirt, Akap a enfilé un gilet de trail bleu. Enfin, il porte sur la tête une casquette blanche vissée à l'envers. Sur le cliché capturé dans la jungle, le jeune homme adresse un sourire au photographe. Il a vraiment l'air d'être heureux d'être là. Vers 8h30 du matin, environ une heure après le départ, Akap attaque la partie la plus éprouvante de la course GUT 25 km, la colline de Batu Putih. Même si elle n'est pas très haute, 260 mètres, le sentier est excessivement raide et escarpé. Cette partie du parcours est tellement difficile que les participants sont parfois obligés de monter à quatre pattes. Ils doivent se servir de leurs mains et s'aider des branches basses et des racines. En excellente condition physique, Akap atteint le sommet sans trop d'encombre. Akap est même pris en photo à son insu au sommet de Batu Putih. Vu de dos, il est en train d'attendre qu'une organisatrice de la course lui fasse signe de repartir et de redescendre la pente sur l'autre versant de la colline. Et devant Akap, le panorama est vraiment impressionnant. On voit une colline verdoyante sur un fond de ciel bleu. C'est magnifique. À 9h29 du matin, Akap atteint le checkpoint, point de contrôle numéro 6, à Kuala Ratzilla, un chalet isolé dans la jungle, presque à mi-parcours. Il a parcouru 12 km sur le sentier en forme de boucle de 25 km. Au checkpoint, les coureurs en profitent pour s'hydrater. Ils peuvent y remplir leur bouteille d'eau ou grignoter quelque chose. Rien d'anormal n'est à signaler. Une poignée de secondes plus tard, Akap repart. Comme la course fait un circuit en boucle, il repart vers son point de départ, donc de l'autre côté d'une zone de forêt épaisse. Et c'est là que le mystère Akap commence. À 12h30, la course GUT 25 km prend officiellement fin. Un homme est tracassé. Cet homme s'appelle Mohd Farid Kamal et c'est un ami d'Akap. Et il est inquiet parce que son ami Akap n'a toujours pas franchi la ligne d'arrivée. Il n'est pas le seul, il y a encore d'autres coureurs qui se font attendre, mais bon... ça l'étonne quand même. Après avoir tenté de le contacter sans succès sur son smartphone, parce que ACAP avait avec lui son téléphone portable, Mohd et des membres de l'organisation de la course partent aussitôt à sa rencontre sur le sentier. Ils remontent le parcours jusqu'au checkpoint numéro 6, la dernière localisation connue d'ACAP. Pendant des heures, ils inspectent les lieux en criant le prénom du coureur, seulement ils n'obtiennent pour réponse que le silence. À la nuit tombée, ACAP n'a toujours pas été retrouvé. Il n'a toujours pas franchi la ligne d'arrivée, il n'a pas donné signe de vie non plus. C'est comme si ACAP avait disparu de la surface de la Terre. Mohd, le copain de ACAP, signale la disparition de son ami au poste de police de Gopeng. Le dimanche 24 mars 2019, les autorités organisent dès l'aube une opération de recherche et sauvetage. Elle implique plus de 100 policiers accompagnés de maîtres chiens, de pompiers et d'experts en survie. Par ailleurs, le public est invité à transmettre toute information relative à la localisation de Mohamad Ashraf Hassan, alias ACAP. Pendant des heures, les équipes de recherche fouillent le parcours du GUT 25 km ainsi que ses abords. Mais fait étrange, ils ne trouvent rien et, autre élément troublant, ils ne parviennent pas à géolocaliser le smartphone d'ACAP. Il y a un problème technique. Le lundi 25 mars 2019, la mission de recherche dédiée à ACAP s'intensifie avec la participation de 130 membres de divers organismes gouvernementaux. La colline de Batu Putih est passée au peigne fin. Et au cours de la journée, un rebondissement inattendu va survenir. On va retrouver une bouteille d'eau appartenant à ACAP. L'objet traîné par terre près du checkpoint numéro 6, le dernier endroit où le coureur a été vu. L'espoir sera malheureusement de courte durée, ACAP est toujours introuvable. Le mardi 26 mars 2019, la zone de fouille est élargie au-delà de l'itinéraire de la course. Dans les jours suivants, l'opération de recherche et sauvetage monte encore en puissance. Au total, près de 800 personnes vont ratisser la jungle de long en large. Mais ils ne trouveront aucune trace d'ACAP. Tandis que les recherches s'enlisent sur le terrain, la police va étudier plusieurs témoignages reçus de la part du public. Un premier témoin affirme avoir vu ACAP à Johor Bahru, une ville à l'extrémité sud de la péninsule malaise, près de Singapour. La distance est supérieure à 500 km. Des vérifications permettront d'établir qu'il s'agissait d'une erreur d'identification. Bien entendu, Internet et les réseaux sociaux colportent leur lot d'informations bidons. Un site d'information en ligne indique que ACAP aurait été récupéré par des policiers et des pompiers assistés d'un oustaz, un professeur islamique. La suite se révèle pour le moins inattendue. Après avoir été sauvé, ACAP aurait refusé de rentrer chez lui parce qu'il aurait épousé un djinn féminin. Pour mémoire, un djinn est un génie ou un esprit invisible, souvent présenté comme malfaisant, mais pas toujours, et qui est décrit dans le Coran. Par la suite, la police de Gopeng va demander aux internautes de cesser de diffuser ce genre d'informations, parce que la police considère qu'elles ne sont pas sérieuses. Durant l'été 2019 et les mois suivants, les battues consacrées à ACAP vont reprendre de manière épisodique, mais toutes ces tentatives se solderont par des échecs. À part sa bouteille d'eau, les sauveteurs n'ont absolument rien retrouvé. C'est comme si Mohamad Ashraf Hassan, alias ACAP, avait tout simplement disparu de notre réalité. Vu qu'on n'a pas retrouvé ACAP et que toutes leurs questions sont restées sans réponse, les habitants de la région commencent à avancer des explications surnaturelles pour expliquer la disparition d'ACAP. Certains avancent l'idée que ACAP aurait été enlevé par des esprits de la forêt en faisant référence à des croyances locales ancestrales. ACAP aurait peut-être pu avoir affaire à des entités qui s'appellent les Orang Bunian, des entités surnaturelles qui vivent dans la jungle. Il y en a d'autres apparemment, mais bon, les Orang Bunian sont assez connus. D'autres observateurs, beaucoup plus cartésiens, expliquent eux que ACAP n'avait pas besoin de se faire enlever par des esprits pour disparaître. C'est vrai que la jungle est tellement un labyrinthe dans cette région du monde qu'il a pu s'égarer, se perdre et mourir dans un lieu qui n'a toujours pas été localisé. Alors, qui croire? Quelques commentaires et analyses maintenant. Même si sa beauté sauvage est source d'attraction, la jungle reste un endroit éminemment dangereux. Dès qu'il y met les pieds, l'homme moderne, c'est-à-dire le citadin, sort de sa zone de confort et il doit faire preuve de la plus grande prudence. Chaque année, des personnes irréfléchies ou malchanceuses s'égarent et périssent dans les vastes forêts d'Asie, qui sont des environnements hostiles par excellence. Ceci dit, les disparitions de coureurs telles que celle d'ACAP sortent de l'ordinaire. Parce que déjà, ces personnes sont en excellente condition physique, ils ont de l'endurance, donc on peut penser qu'ils peuvent peut-être survivre plus longtemps que les autres, dans ces environnements, et surtout, ils ne sont pas seuls et isolés quand ils disparaissent. Là, la course GUT, 25 km, il y avait pratiquement 500 personnes qui participaient, et je ne parle même pas des organisateurs, de la foule de spectateurs, etc. De plus, la course était encadrée, les sentiers étaient bien balisés, on comprend difficilement comment on peut se perdre dans ces conditions. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de coureurs, surtout ceux qui participent à ce genre de compétition, portent sur eux une boussole, une montre GPS et un smartphone avec une appli de running connectée à Internet. Avec tous ces outils, comment expliquer qu'on puisse se perdre? Ce qui est bizarre, c'est que ACAP, comme d'autres coureurs avant lui, on va en parler, se sont envolés sur un itinéraire qui est emprunté par beaucoup d'autres personnes et qui sont souvent à portée de vue, devant ou derrière eux. Et ce qui est très important de dire aussi, c'est que souvent, les recherches démarrent très vite après les disparitions. Donc théoriquement, les personnes disparues ne peuvent pas parcourir une distance immense avant de disparaître, vous voyez. C'est pas comme si on commence à les rechercher 2 semaines après. Leur trace olfactive est fraîche, donc comment se fait-il que dans le cas d'Aka, par exemple, les chiens ont été inopérants? Et on sait que dans les affaires de personnes disparues, la réactivité des secours est très importante. Plus vous prévenez les autorités tôt, plus vous avez de chances de retrouver la personne disparue. Dans le cas d'ACAP, toutes ces règles, visiblement, ont été contredites. On va quand même étudier les explications envisageables. Même si la thèse d'une fuite volontaire ne peut pas être totalement écartée ici, ça semble assez improbable. Il paraît très peu vraisemblable que ACAP soit parti volontairement parce que ce garçon paraissait épanoui et bien dans sa peau. Les policiers ont même reconnu publiquement que cette hypothèse d'une fuite volontaire était très peu crédible ici. Tout comme l'hypothèse d'un acte criminel. ACAP n'avait pas d'ennemis connus, on n'a retrouvé aucune trace de sang dans la jungle, aucun signe de lutte, et aucune demande de rançon n'a été faite par la suite. Même si l'apparence plus plausible, le scénario d'un accident ne tient pas forcément la route non plus. Parce que déjà, ACAP avait choisi la course la plus facile, la GUT 25 km. De plus, il avait réalisé avec succès la première partie de la course, la partie la plus difficile. Il avait monté la colline, il lui restait plus qu'à redescendre. C'était presque un jeu d'enfant. Vu tous les équipements qu'il avait sur lui pour s'orienter dans la jungle, son smartphone, la montre connectée, etc., on comprend difficilement comment ACAP a pu s'égarer dans ces conditions, à moins que tous ces équipements technologiques soient tombés en panne en même temps. Mais bon, il n'était pas seul sur le sentier. Pratiquement 500 personnes participent à cette course. Il lui restait plus qu'à redescendre, emprunter un sentier, et ce sentier, c'est pas un sentier désert, non, c'est presque une autoroute. Il y a tellement de monde qui participe à cette course que on comprend difficilement comment ACAP a pu sortir du sentier, perdre de vue le sentier et s'enfoncer dans la nature. Ça n'a pas de sens. Et puis il faut savoir autre chose aussi, c'est que les participants de cette course doivent porter obligatoirement sur eux une couverture d'urgence, de survie, un sifflet. C'est-à-dire que même s'ils ont un accident, ils ont tout à fait les moyens de survivre le temps que les secours arrivent et aussi de signaler leur présence. Si ACAP avait été immobilisé après une fracture, on l'aurait retrouvé. S'il avait fait un malaise cardiaque, ce qui est assez peu probable quand même parce qu'il était vraiment jeune et en parfaite forme, on l'aurait retrouvé aussi. Et une attaque par animal sauvage, c'est pareil, c'est pas du tout envisageable parce qu'il y a bien entendu des tigres dans cette région, mais aucune attaque de tigre n'a jamais été recensée jusqu'à présent. Et encore une fois, quand il y a une attaque par animal sauvage, c'est une boucherie, vous retrouvez des traces de sang, des traces de lutte, des morceaux de chair, vous trouvez une scène de crime, quoi. On aurait forcément retrouvé ce type d'indice s'il y avait effectivement une attaque. Donc voilà, c'est une affaire de disparition mystérieuse complètement dingue. Ce coureur s'est totalement évaporé, malgré des recherches énormes. Cette affaire, la disparition d'ACAP, a été énormément médiatisée en Malaisie, ça fait la une des journaux, on n'a jamais engagé autant de moyens pour retrouver quelqu'un, et là, ça n'a servi à rien. Donc certains d'entre vous pourraient peut-être être tentés d'être fatalistes, de dire que voilà, c'est comme ça, c'est la jungle, on disparaît. On pourrait être tenté de dire que c'est la faute à pas de chance, mais ça serait sans connaître le contexte très particulier dans lequel s'inscrit cette disparition. Il faut savoir que la jungle malaisienne a été le théâtre, depuis des années, d'un certain nombre de disparitions inexpliquées. En juin 2015, un homme de 53 ans nommé Teoh Kim Lan s'est volatilisé lors d'un trail à Apek Hill, près de Chera, non loin de Kuala Lumpur. Là encore, les autorités ont été impuissantes à le localiser dans une zone forestière pourtant populaire. La zone où il a disparu, c'est un peu un endroit où les gens font leur balade du dimanche. C'est pas un endroit au milieu de nulle part, non, c'est un endroit qui est très fréquenté. Cette zone était très fréquentée avant la disparition de Teoh Kim Lan, elle a été encore depuis, et personne n'a jamais rien retrouvé le concernant, même pas un vêtement ou une chaussure. On n'a jamais rien retrouvé, ni corps, ni objet, et cette affaire a été jugée tellement étrange que des théories paranormales ont été avancées à l'époque, et même par des médias mainstream là-bas. Dans un article de presse, le journal The Star a ouvertement pointer du doigt les Orang Bunian, c'est-à-dire les esprits de la forêt, qui, selon les croyances locales, enlèveraient les humains pour les emporter dans une autre dimension. C'est écrit noir sur blanc dans les articles. Généralement invisibles, les Orang Bunian pourraient également se manifester sous la forme d'hommes, de femmes et d'enfants. D'une grande beauté physique, ils porteraient des vêtements traditionnels malaisiens. De nombreux témoins ont indiqué avoir vu ces êtres étranges vêtus de longues robes à capuche blanche. D'ailleurs, soit dit en passant, moi ça me fait penser un petit peu aussi aux affaires de Dame Blanche. Les entités sont souvent vêtues de blanc, apparemment. Là où cette affaire est intrigante, et au fait toutes les affaires se rejoignent, et si vous suivez mon travail depuis des années, vous allez voir qu'il y a des connexions qui sont faites entre les affaires. Là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte que Apek Hill, l'endroit où s'est volatilisé Teoh Kim Lan, n'est distant que de 30 km de Broga Hill, l'endroit où Mohd Azrul Mukhriz avait vécu une expérience inexpliquée en 2007. Dans cette affaire, le jeune Mohd avait mystérieusement disparu lors d'une randonnée pendant plusieurs jours. C'était une randonnée aussi extrêmement facile, une randonnée familiale. Par chance, on l'avait retrouvé sain et sauf, mais il avait raconté une histoire extraordinaire. Comme quoi il aurait été retenu prisonnier dans une grotte par des êtres étranges. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder, vous trouverez le lien en haut à droite de votre écran, là où toutes ces affaires se rejoignent. C'est que en 2019, Mohd Azrul Mukhriz, donc le jeune Mohd là, qui aurait été fait prisonnier dans une grotte par des entités bizarres, a lui-même fait le déplacement jusqu'à Gopeng pour participer aux recherches concernant Akap. Un ancien disparu est venu pour aider à retrouver un autre disparu. Et comme dans le cas de Mohd, la disparition inexpliquée d'Akap a fait émerger aussi des théories surnaturelles. On a encore accusé les entités vivant dans la jungle. Mais ça n'est pas fini, vous allez voir qu'il y a un témoignage qui est vraiment très intéressant. En avril 2019, un membre d'une équipe de recherche bénévole nommé Nasca, cet homme nommé Nasca qui avait aidé les recherches concernant Akap sur le terrain avec des chiens pisteurs, a fait une révélation très intrigante. Il a expliqué que les chiens avaient l'air étourdis lors des recherches. Et rappelons que les chiens ont été totalement inefficaces pour retrouver la trace olfactive d'Akap. Et lors des battues, Nasca, donc le témoin, a aussi raconté avoir vécu des expériences inhabituelles, comme sentir des parfums bizarres, par exemple, ou alors ne plus reconnaître son chemin. C'est comme si ses sens étaient troublés en fait, mais... comment l'expliquer? Et Nasca a fait d'autres révélations. Il a expliqué qu'au cours de leur sortie sur le terrain, lui et ses compagnons se sont rendus dans une zone de forêt et de grottes proche du parcours de Gut. Et vers 17 h, ils ont focalisé leurs recherches dans un secteur précis, susceptible de cacher Akap. Le groupe a commencé à réciter des versets coraniques, et après 10 minutes de prière, un événement très surprenant s'est produit. Une forte pluie s'est abattue sur le site, accompagnée de vents violents. Et pendant les prières, il paraît qu'un grand arbre s'est même abattu tout près d'eux sans se briser. Malgré les intempéries, Nasca et ses amis ont continué de prier. Ils étaient trempés par la pluie en fait, et ils étaient convaincus qu'ils étaient tout près de récupérer Akap. Selon eux, Akap était tout près d'eux, mais dans une autre dimension. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à ramener Akap. Voilà. Malgré leurs compétences spirituelles, malgré leurs prières, Akap est resté prisonnier dans l'autre monde, le monde invisible quoi. Évidemment, ça risque de paraître complètement farfelu à certains spectateurs, mais bon, en tout cas ce sont des croyances locales. Même si Nasca n'a pas pu prouver ce qu'il a dit, n'a pas pu apporter de preuves tangibles de ce qu'il a avancé, de son expérience lors des recherches d'Akap, il a terminé son témoignage par ces mots « Croyez aux choses invisibles ». Donc voilà, en Malaisie, beaucoup de monde est persuadé que Akap a fait l'objet d'un kidnapping paranormal. Moi qui étudie toutes ces affaires depuis un moment, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'histoires de ce genre en Asie et aussi au Moyen-Orient. Dans ces contrées, les gens croient aux esprits, quel que soit le nom qu'on leur donne. Donc voilà, Orang Bunian, en Malaisie, aussi en Indonésie. Les djinns aussi, voilà, on parle beaucoup de djinns un peu dans tous ces pays, hein, qui sont des génies, qui peuvent être malfaisants ou bienfaisants. Et toutes ces entités surnaturelles sont souvent pointées du doigt lors de disparitions mystérieuses. On les accuse d'enlèvements paranormaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois les humains sont relâchés, hein, comme dans le cas de Mohd. Voilà, ils sont relâchés et ils nous rapportent des histoires qui sont vraiment incroyables. Donc là, ça risque de faire sourire certains d'entre vous, mais les locaux en Malaisie, ou même ailleurs, dans d'autres pays, pensent que toutes ces entités, ces êtres éthérés, qui proviennent d'un autre plan de réalité, ces djinns, ces esprits, voilà, appelez-les comme vous voulez, proposent parfois le mariage aux êtres humains. Rappelez-vous que c'était le cas du jeune Mohd, qui a refusé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été relâché. Et quand on réfléchit, on se rend compte que jeune et célibataire, Mohamad Ashraf Hassan, alias Akap, avait peut-être un bon profil pour intéresser un esprit femelle de la forêt. Voilà, je ne sais pas. Alors, bien entendu, ça va faire rigoler certains, et ça, je peux le comprendre, mais bon, quand on connaît les contes et légendes du monde entier, quand on s'intéresse à tout ça, on se rend compte que les humains sont souvent considérés comme de meilleurs reproducteurs que les fairies, c'est-à-dire les fées, enfin le petit peuple magique. C'est pour cette raison que dans les légendes, dans les contes, souvent il peut arriver que des êtres magiques comme ça proposent le mariage aux humains, voyez, c'est pour leur descendance. Autre détail intéressant dont je me suis rendu compte en étudiant ce dossier, c'est que le nom Hassan découle d'un adjectif arabe signifiant beau, bon, viril ou fort. Ça ne fait que renforcer l'idée que je vous ai présentée précédemment. C'était peut-être un bon parti, entre guillemets. Pour terminer sur ce petit rappel des contes et légendes, parce que je trouve que c'est absolument fascinant. Après, voilà, ce sont des contes et légendes, donc évidemment, faut peut-être pas prendre tout ça au pied de la lettre, mais bon, moi je trouve ça absolument passionnant. Il est assez connu dans ces histoires que quand un humain accepte le mariage avec une entité magique, avec un esprit invisible, un être éthéré comme ça, qui vient d'un autre plan de réalité, d'un autre monde, s'il accepte le mariage, il part pour toujours dans le monde invisible. Il ne peut jamais revenir. C'est un voyage sans retour. Voilà, donc, si vous avez des propositions de mariage, faites attention. Réfléchissez bien, parce que vous ne pourrez pas revenir. Alors, je referme la petite parenthèse. Dernier point, dans l'hypothèse où une forme d'intelligence inconnue, des entités vivraient réellement dans ces forêts sauvages, il n'est pas aberrant de penser qu'elles disposent de pouvoirs leur permettant de perturber les équipements technologiques. Ça pourrait expliquer pourquoi la police n'a jamais réussi à géolocaliser le smartphone d'Akap. Par ailleurs, on peut tout à fait imaginer que ces êtres, s'ils existent, sont dotés de pouvoirs magiques et qu'ils n'auraient aucun mal à agir sur les animaux. Ce sont des esprits de la nature, des esprits de la forêt, donc ils peuvent contrôler l'environnement, vous voyez ce que je veux dire ? Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi les chiens étaient étourdis lors des recherches concernant Akap. Est-ce que tous ces chiens n'auraient pas été perturbés par des êtres invisibles qui vivent dans la forêt? Donc voilà, c'est beaucoup d'hypothèses et beaucoup de questions sans réponse, mais je trouve ça très intéressant de s'interroger. Moi j'adore vraiment ces histoires, et il se trouve que j'ai reçu en plus récemment le témoignage d'une personne qui vit là-bas et qui m'a confirmé ce genre de choses. Donc si ça vous intéresse, sachez que j'ai étudié l'affaire de la disparition mystérieuse de Akap, que je viens de vous présenter, dans mon livre « Disparu en Asie », qui contient encore beaucoup d'autres histoires qui sont totalement folles, mais complètement véridiques. Là, j'ai écrit ce bouquin en me basant sur des articles de presse locale. J'ai effectué moi-même un énorme travail de traduction, et voilà, tout ça c'est sourcé. Ça ne sort pas de l'esprit d'un farfelu, quoi. C'est vraiment des journalistes qui ont rapporté ces incidents très bizarres, quoi. Dernière affaire dont je vous parlais, c'est une affaire de disparition mystérieuse sur l'île de la Martinique que j'ai déjà évoquée dans ma vidéo sur l'affaire Magali-Méjean récemment. Donc cette affaire s'est passée sur l'île de la Martinique en 2013. Le 30 novembre 2013, Benoît Lagré, un trailer de 35 ans originaire de Rennes en Bretagne, s'est volatilisé dans une zone montagneuse et sauvage à l'ouest de la Martinique. Benoît s'entraînait seul parce qu'il comptait participer à un raid nature célèbre là-bas, la Trans-Martinique. Benoît Lagré courait dans la forêt tropicale nommée la forêt d'Absalon, à travers les pitons du Carbet, quand il a disparu de la surface de la Terre. D'importantes recherches ont été effectuées par des gendarmes, des pompiers, des militaires et même une équipe cynophile américaine spécialisée embauchée par la famille. Seulement, ils n'ont jamais réussi à localiser Benoît. Là encore, dans cette affaire, Benoît Lagré s'est comme envolé dans la nature. Et là où c'est intriguant, selon moi, c'est qu'on a juste retrouvé une petite caméra GoPro qui l'emmenait avec lui. On a retrouvé cette caméra sur le chemin d'un des pitons du Carbet et c'est tout ce qu'on a retrouvé de Benoît. Dans ce dossier, l'accident est tout à fait envisageable. Benoît a très certainement pu faire une chute et il a pu tomber au fond d'une faille masquée par la végétation. Dans cette zone de la Martinique, le terrain est extrêmement escarpé, à tel point que deux sauveteurs se sont même blessés lors des recherches. Autre détail qui semble indiquer que Benoît a effectivement eu un problème inconnu, c'est qu'il a tenté d'appeler les secours apparemment avec son téléphone portable. Il s'est donc servi de son téléphone, mais bon, ça n'a été d'aucune aide pour le localiser non plus. Malgré des recherches massives, on n'a jamais réussi à retrouver Benoît. Comme je vous l'expliquais, il a très bien pu tomber dans un lieu inaccessible, mais bon, quand vous avez à l'esprit toutes les histoires que je vous ai racontées précédemment, c'est vrai que ça peut rester quand même assez troublant parce que la forêt tropicale de la Martinique, et c'est pareil, c'est un endroit qui est sauvage, qui est hostile, qui est désert, et qui sait ce qui peut vraiment se passer dans ce type d'endroit. Évidemment, si on considère que cette affaire est un cas isolé, si on la prend en occultant toutes les autres, on se dit que c'est un tragique, mais bon, somme toute assez banal accident. Mais quand on a connaissance de toutes les affaires, là, on peut-être se poser des questions quand même. Ce qui reste bizarre pour moi, c'est qu'on a juste retrouvé sa petite caméra GoPro. Pourquoi est-ce qu'on a retrouvé cette caméra? Pourquoi est-ce qu'on n'a rien trouvé d'autre? C'est étonnant. Une caméra, c'est un équipement électronique qui permet de ramener des images. Parce que t'en réfléchis 2 secondes, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que, s'il a fait tomber sa caméra, pourquoi est-ce qu'il l'a pas ramassé? C'était quand même un objet de valeur. Moi, je trouve ça quand même intriguant. Au moment de sa disparition, Benoît Lagré était père de 3 enfants. Et en juin 2014, il a été déclaré officiellement mort. Pour la famille, ça a été un soulagement, entre guillemets, parce que la compagne de Benoît était confrontée à des difficultés matérielles pour élever seule ses enfants à cause de l'attente de cette déclaration. Il faut savoir qu'il faut normalement attendre 10 ans entre la déclaration d'absence d'une personne disparue et la déclaration d'un décès. C'est vraiment très long. Et là, la justice a fait très vite et c'est une bonne chose. On critique souvent la justice en France. Vous voyez, là elle a vraiment fait du bon travail parce que ça facilitait les démarches administratives par la suite de la compagne de Benoît et de ses enfants. Quand une personne disparaît comme ça, dans ces circonstances, c'est déjà extrêmement dur. Mais en plus, il y a tout un tas de difficultés administratives à gérer. Et là, ça a quand même permis de leur faciliter les choses. Voilà, donc j'en profite pour saluer la mémoire de Benoît Lagré, ainsi que celle des autres personnes dont j'ai parlé dans cette vidéo, qu'il s'agisse de Aré, donc le Norvégien, et aussi de Akap, donc en Malaisie. Espérons qu'ils reposent tous en paix maintenant, là où ils sont. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous remercie de la liker, de la partager aussi avec vos amis, vos proches, et bien entendu, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Donc voilà, je vous laisse. Donc si vous avez la nature, faites attention, hein, restez prudent toujours, mais bon, profitez-en. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères, et en attendant, ne disparaissez pas.